Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Tales of Hysteria sur PC. Et on va tout de suite continuer en allant où nous devons aller, bien entendu, dans les ruines de... J'ai oublié son nom, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Bien sûr que cette histoire de berger est vraie, voyons, je suis en face de toi. Galade. Alors maintenant il faut que j'arrive à trouver où est cette zone. Même si j'ai ma petite idée. Il va falloir que je fasse le tour par là. Je pense. Pas d'ennemis. Très bien. Oh mon dieu, un ennemi! バグライス攻撃。こいつら。来るよ、アリシャ。落ち着いて。普段の力を発揮してください。過信障害。新機解放。ラスト実践戦おう。こちら。火の勢いが来るぞ。一点突破。もっと強な無体性属性に気をつけてください。遺跡が俺を呼んでいる。 Je suis pas sûr si c'est là-bas directement. Et j'oublie à chaque fois comment on change de bartel. Alors on verra bien. Et il est où Mikleo dans tout ça là hein? Il est où? Ah voilà. J'ai encore combien de jauges? J'ai encore 3, ok. Ah, encore. Lunettes de soleil, yay! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de RPG, enfin, j'allais dire 19, non, mais nombre de RPG tout court, j'étais beaucoup sur les MMORPG comme vous avez sans doute pu le constater, excusez-moi, avec le manque de vidéos. Et du coup là, ça va mieux. Je fais une petite pause dans les MMO et pour pouvoir filmer un peu de mon côté, des jeux solo. Qui sait, c'est une ville en ruine. J'ai l'impression que c'était pas par ici, je devais aller d'abord. Non, c'est pas grave. On a déjà fait la moitié du chemin, autant la finir. Enfin, autant le finir le chemin, pardon. Bizarrement, j'ai quelques lags quand je tourne une caméra, pourtant je reste à 60 FPS constant. C'est pas grave. J'aurais peut-être juste dû lire. Ah bah voilà, c'est les runes de guide là-bas. C'était bien par ici que je devais passer. Ah. Un drôle d'ennemi, que c'est bizarre. Non, je pense pas que je puisse aller là tout de suite. On va quand même regarder. Je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Ça se voit qu'il y a un passage derrière, mais. Ouais, je peux pas encore le faire tout de suite.
Long la rivière qui traverse la forêt. Ok, bah on voit, c'était bien par là où je devais aller. Là, vous voyez en face qu'il y a un ennemi différent. Allons l'affronter. Pourquoi c'est moi qui l'attaque? Il est pas gentil, hein. Ah, je l'ai pas touché ici. Ah, c'est chaud là. Non. Tout sauf ça. Non, pas sur lui. Bon, si elle est. Comment c'est inutilisable? Voilà ici. Donc avant ça, on va se soigner. Non, Layla, non, pourquoi? Ah, mais non, mais c'est pas vrai ça. Non, je ne perdrai pas. Non. Non. Pourquoi? Bon, j'ai fait n'importe quoi, on va devoir bien le refaire. Il est fort, il est fort. On est full vie. Bon, sérieusement, cette fois-ci, on va le faire. J'ai oublié la touche pour l'esquive rapide. Non, on va utiliser les objets. Voilà. C'était pas facile. Ah, on fait de plus grand, pas nice. Je
quoi ça? Ah non, ils sont pas si intéressants que ça, je me demande pourquoi je les ai retirés. Allez, on remet. Non, c'est bon, pas besoin de régène là. Tiens, t'as tiré une stèle là-bas. C'est pas là. J'y reviendrai plus tard. Non. Voilà. Ça y est, j'ai repris l'avance sur l'animé. Comme il est encore en train de sortir et qu'il est encore au début et qu'il est en train de faire un... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Un crossover avec Tales of Berseria pour sa sortie au Japon dans... demain, voilà, tout simplement. Quand tu expliques un peu l'histoire et tout, c'est passé dessus. Voici, on va dire, le premier dungeon. Aïe, aïe, les dégâts. Ça fait froid, ça fait chaud. Arisha. Smanai, daijoubu da. Kodaigo no nioi ga suru. Alors d'avoir à droite parce que c'est un cul-de-sac. Voilà. Ouais, ça je sais, j'ai tout vu. Peut-être que je vous laisse un peu plus de temps pour lire ça. Les stèles antiques. Crème glacée, miam. J'en bais à la mangue, miam. J'ai faim. Allez. Mais oui, c'est dégueu. Voilà, ils donnent toujours encore les tutos alors qu'on les a déjà tués depuis bien plus tard. Ah, un arc. Ah là là, cette chaise qui grince. この弓が新規ってどういうもの?
神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づける、いわばカムイの型ですわ。カムイの型？そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな。それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪神になってもらう必要があります。陪神とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪神にしたくないんです。なぜだ。私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ、自分の夢のために同志の力を。けどミクリオは。ミクリオ、tu là? Ah non, il a déjà disparu. Alors, par où va-t-on passer ? この石碑はまだ見てないかも。Passons par là tout d'abord. Je me trompe à chaque fois, c'est pas le bon, c'est le seul côté qu'il fallait aller. Et moi je vais aller au côté annexe. Donc, on va voir le chemin. Et un serpent. Une plante, allons la prendre. Du romarin. Ça fait peur lui. Voilà. Vraiment, quand j'ai beaucoup de niveaux supérieurs à ce que c'est censé demander ici, c'est pas trop de problème. Hein. Mais plus tard, cela changera, je pense. Donc comme je disais, ici passage secondaire, du coup trésor. Ah, mais ce trésor je ne peux pas l'ouvrir encore. Je ne peux pas avoir la clé suffisante, je ne sais pas si une clé quoi, une clé or peut-être. Je peux m'ouvrir ces deux coffres. Voilà, maintenant on peut ressortir. Je vais rentrer du bon côté. Je pense qu'on va faire le donjon entier dans cette vidéo et on verra pour faire le prochain. Tiens, je peux pas changer d'étage. Je suis ce bordel. Ok. Ouais, donc on va faire le donjon dans cette vidéo et on verra bien ce qu'on si on fait plus ou pas. Alors,
J'ai pas vu l'architecture encore du deuxième niveau. Ok, je vois. Est-ce que je peux l'ouvrir cette porte? Ouais, d'accord. Parce que là, à quoi ça sert de mettre une porte si on peut l'ouvrir? En tous les cas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça donne du loot les étoiles et les félins. Certes, ils ont beaucoup de vie, mais bon. Le chien n'a pas beaucoup de vie. Ok, donc qui est-il à droite? Les plantes. Le chafran. よろしいのですか。おい、ミクリオ。確かに僕は手堅いくせに意地っ張りだ。認めるよ。陪審になることだって意地を張ったさ。けどスレイは肝心なことを分かっていない。分かってるよ。だからお前を巻き込みたくないんだ。うぬぼれるなよ。思ってるのか。自分だけの夢だって。 ミクリオ様に答えて。アリーシャさん、声が。俺たちの夢だ。さあ、ライラ。わかりましたわ。性質なる流れに連なり生まれし者よ。ミクリオ、ライラ。今、ちぎりを交わし、我が高校たる盾に、正常へ至る輝きの一助となろう。汝。 承諾の意志あらば、その名を告げ、ルナは省略。省略？カムイ、いけます。ミクリオさん、スレイさんにまだを。そんなの特に知ってるって。もう行くぞ、ミクリオ。さっさと終わらせよ。総力戦になるだろう。早急に行くぞ。 防御が薄い。まだ、これが俺だ。すごいよ、スレイ。ミクリオ様。あら、解除できたんですの？そういえば、なんか自然に。どうして急に？いいじゃないか、理由なんて。とにかく、カムイを自由に操れるようになったってことだろ。ようやく一人前ってわけだね。うっせえ。なるほど。解除できなかった理由は、そういうことでしたのね。 ミクリオ、ありが…礼なんかいらない。僕は
僕の夢のためにやったんだからな。わかってるって。なんだか羨ましいですね。アリーシャさん、あなた。はい、お声だけでなく姿も見えるように。アリーシャ、天族が見えるようになったの？きっとスレイの力が強くなったからだな。少しは勝ち目が出てきたかな、最下の剣手ってやつに。スレイ、ライラ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この手だ、いらないんじゃなかったっけ。お礼。心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。OK。Ouais, comme ça c'est bien. Allons-y. Côté droit d'abord. C'est Gihiko ? PA, ok. Nous arrivons à la fin du temple, enfin des ruines plutôt. Ah, la voilà. これくらいあれば。これが溶けてしまう前に残りの問題も解決しないとですね。な、記憶ですわ。やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと。見たか、ミクリオ、天意見聞録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。ああ。スレイさん、すごい熱。ミクリオさんと契約した反動ですね。宿に戻って休めばよくなりますわ。僕がおぶってくよ。スレイを冷やす用の氷も作らないとね。熱下がったみたいです。たった一日で順応するなんて。私の時は3日もかかったのに。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん、そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ、ミクリオが。おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。
宿には手品師だと説明しておいたよ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。主神と陪神と従子の。OK. Donc là. Ah, je cherche un séraphin, ouais. Alors. この土地を守護せし天族よ。いつもありがとうございます。いえいえ、あなたが真摯にこれからも純粋な気持ち。これは聖堂への。そのようなものはどうか受け取ってください。ただの祈祷は天族への非礼だと。見返り。誰かに言われたのですか。誰かというわけ。息子さんの治療にはお金が必要。息子も同じ気持ち。誰も彼もが言うんです。息子の怪我はただ中には私とブルーノ様が。そのどうか。わかりました。あなた、アジサイ様に天族の加護。酒でも買うか。姫様。お願いがあってまいりました。わ、私などに。聖堂に新たな天族を祭り、そのお世話をお願いしたいと同志スレイからの依頼です。同志。この方が噂の。申し訳ありません。あなたを責めるつもりなど。人の心がすさんだのは王家の責任です。すみません。はじめまして。俺スレイって言います。え、レディレイクを守るためにあなたに聖堂を祀ってほしいんです。俺が勝手に聖剣を持ち出したせいで迷惑かけちゃってごめんなさい。まだ同志になったばかりの新米だけど頑張りますから、よろしくお願いします。いや、はい、もちろんです。どうか顔をお上げください。ありがとうございます。はあ。私からも改めてお願いします。どうか力をお貸しください。まだ不慣れな、でもとても気さくな同志様を助けるために。ああ、お二人のご用命身に余る光栄でございます。微力なる身ではありますが、全身全霊をもって務めさせていただきます。よかった。ああ、足しびれちゃったけど。スレイ。ではブルーの司祭準備。はい。なんて頼み方だ。Donc on va chercher un séraphin et de Telestar la vieille chérie. On va demander à... Ok. Voilà, c'est fait. Ah bah j'ai même pas vu ce coffre. Alors j'ai combien de guilds? On va les garder pour le moment, on sait jamais quand on en aura besoin. On a combien? 3 heures de jeu quand même. C'est bien sympa de voir les petits dialogues qu'on passe à côté des personnes. Donc... Ce chemin qui nous reste, c'est par là-bas, à gauche. Je vois un coffre. Je ne vois qu'un coffre, en fait. Même plein de remèdes. Ah, je vois ça aussi. Belle petite herbe. On va se la fumer de la verveine.
古代語の匂いがする。 Je me concentre à venir, du coup ça le fait pas. Ah, par là-bas. Oh, la poulpe. Allez, on va se l'affronter. Voilà. Donc là, nous avons sur un minimum quand même. グリフレット橋崩壊の調査であります。長雨による氾濫が原因かと。原因は長雨じゃない。水位に比べて流れが異常だ。嫌な気配を感じますが。避難した方がいい。うん、分かってる奴がおる。 誰だ貴様は。分かった。スレイの弦に従おう。スレイって噂の同士か。だったら反乱を鎮められるものか。水神様のたたりを。水神？恐ろしい影さ。何かだ。貴様。 Ah, le monstre. C'est un serpent, quoi. Suijin-sama-da ! Mêlée-da ! Ah, le bruit générique pour les monstres. その目には竜巻などに見えているのです。手ごわそうだ。自ら回転させる衝打力に注意してください。スレイ、また右の防御が甘かったぞ。本当？修行が必要だな。なあ、氷馬が天族になった。逆ですわ。 実体化するほどの氷馬は天族が。天族が氷馬になるだって。そして完全に氷馬化したってドラゴンと。ドラゴンが実在するってこと？伝説が。この橋を壊したというのか。 私が恥ずかしい限りだ。君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか。感謝する。俺たちもあなたを救えてよかったです。ウーノだよ、若き同志。スレイです。ウーノさん、助けたか。お願い。 レディレイクの加護をお願いしたいんです。しかし今のはあの町は。アリーシャ様。大丈夫。だから大丈夫だって言ったろ。貴様だってビビりまくっ。しかし急に雨も止んだし流れも。これって同志の力なのかな。同志なんて、おとぎ話。ほら、同志。俺。 同志様がたつこんなことを信じて。いいじゃねえか。信じるなら水神のたたりより。ほら、
どうしたまとよ。まだ。いや、君が取り。じゃあカゴ。ならせてもらうよ。ありがとう、ウーノさん。君が主審か。良い同士を選んだようだな。そう思います。行こう、ブルーの。Encore lui. Qui est-il ? Est-ce qu'il nous suit ? Non, il ne nous suit pas. Monstre tentacule, dégage, je veux pas te voir. Donc on va dévenir la terre de Dame Lac et puis on s'arrête là pour cette vidéo. Ce sera une plus courte vidéo que la précédente, mais bon, ce n'est point grave. Il nous rattrape, non. Tu auras voulu. Bon, alors lui, je l'ai one shot. Il faut nous rendre au sanctuaire. Voilà. Oh, まさに奇跡の力。我らの存在を全く感じていないようだな。この聖水、心して祀らせていただきます。天族ウーノ様。だが、なんだろう。今この町にカゴが戻ったのです。私の領域で町を覆った。だが、カゴを維持するには。ですね。カゴを助けるには。例えば なるほどね。やれやれ。私も。ん？どうした？まだ強い気。そう遠くはない。街中だ。そっちは王宮の。それが天族との会話と。あなたは？ハイランド内務大臣レディーレイクのために進駆されている同志スレイを見張っていたのか。とんでもない。驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ王位継承姫様の愛する民衆も勘繰りだ。そのアリシャ、どこに行けば。ラウドテブ。わかった。大臣たちには関わらない。汚れがある方角っぽいしちょうどいいよ。すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ。王宮って初めてだ。君にとっては同じ。ベニシャンストーリー、ナイス。
Ok. Alors, qu'est-ce que je peux offrir comme objet qui donnerait des points? On va la monter comme ça déjà. Ok, donc ça c'est fait. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était Tostel pour HTML HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.